Bonjour à tous, c'est Nexardo 60 pour se retrouver aujourd'hui pour la vidéo très très gros colis de chez Magic Pure Shop. Donc une commande qui comporte en tout 5 colis. Par contre, avant de commencer, ce premier carton je l'ouvrirai pas aujourd'hui. Pour la bonne raison que c'est marqué en gros, Room Atterri, ils ont mis une belle petite étiquette là, c'est marqué en gros Joyeux Noël. J'ai mis une petite image aussi là. C'est le colis pour mon anniversaire, pour mon Noël de ma copine et de ma mère. Donc je l'ouvrirai qu'à Noël. Donc je sais pas ce qu'il y a dedans. Il reste maintenant 4 colis. Alors avant de commencer le déballage, donc vendredi qui arrive, le 28 novembre, entre 18h et 20h, il y a Magic qui fait des Black Friday. Donc je vous mettrai l'image sur la vidéo, je vous l'insérerai. Donc entre 19h et 20h, vous aurez les frais de port offerts, donc avec le code de réduction Black Friday. Donc je vous mettrai ça sur la vidéo, vous inquiétez pas. Donc maintenant on va commencer le déballage. Donc on va commencer par celui-là, il y en a un là, là-bas et un là. Donc très très grosse commande. Bien emballé. On y va. Dedans, il y a deux compacts. Alors, on y va avec le compact, un très gros. Le compact Sagegon, donc 49 coups en 30 mm de chez Yorg, évidemment. Donc, c'est le premier, un compact que je voulais. Et le second, un très très beau compact aussi. Le compact Eldorado, donc pareil, 49 coups en 30 mm de chez Yorg. Donc voilà, premier carton vide. Voilà, attendez, je vais le mettre par là. On va continuer avec ce petit carton. Donc on y va. Carton avec les notices pour s'en servir des compacts. Il faut un compact de cadeau, c'est le Mont Everest de chez Yorg. Je le connais pas, donc le compact cadeau, oui, Mont Everest de chez Yorg. Donc cadeau, merci Romain et Thierry. On continue avec deux boîtes pour caler, un tout petit compact, le compact Big Mang Mars. Donc Yorg, c'est un 16 tiers 20 mm. Un compact que je prends très souvent, le compact Big Bang Cage Opeja. Donc 16 coups 20 mm aussi. On continue avec un compact que je connais pas. Donc le compact Lily Magnolia, donc 16 coups 22 mm. Donc celui-là je le connais pas. Ici je vois les pétards, les fameux pétards triangles chez Yorg. J'en ai pris un paquet juste pour tester. Ensuite, les paquets de. Je crois que c'est des jeux de démons, enfin ça, des œufs de dinosaures, excusez-moi. Donc pareil, c'est des catégories 3. Le compact épisode 10, donc 25 coups en 30 mm. Très beau compact. Un compact que j'ai vraiment envie de tester, le Orinoco. Donc c'est du 18 coups en 25 mm. Il y a un effet poisson très sympa dedans, donc c'est surtout pour ça que j'ai pris. Et ensuite en dessous, une boîte de pétards FP3 Small. Donc j'ai envie de tester ces pétards là, parce qu'on m'a dit pas mal de bien. Donc, voilà pourquoi je les ai pris. Carton vide. On va continuer avec ce gros carton encore. Thank you.
du carton pour caler. Alors le compact Malachite, donc c'est un 25 ou 30 mm. J'ai appris aussi celui-là parce que j'ai envie de tester son effet cul de cheval. Il m'a l'air très beau. Ensuite on continue avec le compact épisode 13, 36 coups, 25 mm. Très beau compact. Celui qui est là, on présentera à la fin parce qu'il est vraiment énorme. Et le dernier carton. Je suis quasiment sûr de savoir c'est qui est dedans. On va commencer par celui-là. Un compact Show of Fireworks, le JW4000, 36 coups, 30 mm. Très très beau compact, bien gros en plus. Et pour finir, le compact que je voulais vraiment depuis pas mal de temps, il est enfin là. Le fameux compact Scorpion. Donc 42 coups en 30 mm. Très 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 beau compact. Celui-là, je l'attendais vraiment. Bien sûr, le compact que j'avais mis de côté, qui est là. Oh, le compact, imagine, il est vraiment énorme. Donc JW49, 49 coups en 30 mm. Donc voilà, on va faire une petite vidéo ensemble, tous les tiers confondus. Il y a énormément de deux compacts. Hein. Donc voilà. Donc très très belle commande, je dirais pas le prix comme d'habitude, évidemment. Je vous conseille évidemment Magic Hero Shop, c'est mon site de prédilection. Il mérite vraiment de s'en sortir. Pensez au blog free day vendredi. Si vous avez des questions, posez-les sur ma chaîne. Vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo.